dans les gorges de l'Aveyron, Saint-Antonin-Noblevol possède une remarquable école d'escalade dans un cadre tout à fait séduisant. Jacques et Gérard l'affectionnent particulièrement. À midi, nos deux coquins ont prolongé les agapes à l'auberge du Capucin et la reprise est laborieuse. Mais ne sont-ils pas venus avant tout pour leur plaisir? Les pyrénéistes peuvent s'entraîner ici en toute saison, mais ils savent qu'il faut laisser les parois en paix au moment de la ponte des faucons pèlerins. D'ailleurs, au temps de la couvaison, il est tout aussi intéressant de fréquenter les différentes parois écoles de la chaîne pyrénéenne. Aujourd'hui, des habitués du Saussois sont venus tâter quelques voies des années 60. Déjà, à l'époque, c'était à qui ferait le plus de libre. De Bruniquel à Saint-Antonin, les possibilités ne sont pas épuisées. Mais laissons là nos amis pour aller vers notre grand massif école à l'extrémité de la chaîne, Montserrat. C'est un fourmillement d'aiguilles. On en compte plus de 750 autour du monastère. De quoi combler les spécialistes. Parmi la multitude, les colonnes de pierre grise, flanquées côte à côte, ressemblent à de grands pénitents. Buny les a dénichées pour séduire Pierre et Dominique. Ici, entre deux ciels d'averse, on peut grimper en plein hiver. Une heure de marche d'approche, 200 mètres d'escalade, mauvais rapport approche-escalade, diront les grimpeurs dans le vent. Super exotique, diront les autres. Je ne dois pas être vraiment dans le coup, car je trouve ce coin super. Ce qu'il y a de bien dans l'escalade à Montserrat, au moins, c'est qu'il y a des prises partout. Le problème, peut-être, que c'est les pitons. Il y a beaucoup moins de pitons que de prises. Un piton tous les 10-15 mètres, ça fait jamais qu'une chute de 30 à 35 mètres. Si c'est bien raide, pourquoi pas.
Enfin, quand on est sur le terrain, on n'a vraiment pas envie de tomber. On préfère trier, réfléchir, tourner autour du galet, choisir la bonne combinaison et progresser lentement que s'affoler et tirer une droite vers le bas. Dans cette longueur de 5 sup, les points d'assurance donneraient la jaunisse à bien des ouvreurs patentés par le côté roc. Dis donc, ça leur ferait droit. Hein. C'est vraiment des pitons qui ne valent rien. Enfin, c'est bon pour le moral. Montserrat est le sanctuaire catalan de l'escalade. La terre rouge d'Aragon dresse aussi ses piliers du ciel. Ces bornes géantes s'appellent ici des Malios. Mais la plus extravagante aiguille porte le nom de Porro. Décollée du Malio Pison, elle semble tenir par miracle et ressemble tout à fait à un cigare qui s'effrite. Pierre et Buny sont familiarisés avec son profil et les 250 vautours fauves qui nichent dans ses parois ne manquent pas de les épier. Pour retrouver ces sympathiques surplombs de roches rouges des Riglos. Moi, je m'y sens vraiment bien. Surplombant, certes, mais des prises, il y en a. Il n'y a qu'un seul mauvais rocher, c'est celui où il n'y a pas de prise. À Riglos, ce n'est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Tu vois, ça fait 25 ans que cet itinéraire a été ouvert par Alberto Rabada et Ernesto Navarro. Vraiment de sacrés bonhommes. Une poignée de mousquetons, 4-5 clous, et en avant en attaque pour arriver vers le sommet par une voie expo et comportant bien des incertitudes. Actuellement, de bons relais, quelques bons golos judicieusement placés, et on a perdu l'incertitude pour gagner en plaisir. Finalement, l'escalade moderne a du bon. Face sud, voie classique, est maintenant suréquipée. C'est un peu dommage. Quant à la face ouest, c'est un véritable combat contre la mort. La Angel Lopez, dans la face intérieure, serait plutôt une entreprise spéléologique. Tiens, les difficultés commencent. On arrive au Pasos de Lamento, comme disent les Espagnols. Pasos de Lamento, c'est en quelque sorte la version hispanisante du mur des lamentations. Bien des grimpeurs ont eu du souci, hésitant à en contourner le surplomb par la gauche ou par la droite avant de passer. Les galets sont polis par l'anxiété de certains.
Et pour Honor du Pour, c'est vraiment l'itinéraire le plus esthétique pour gravir cette aiguille. Tu n'as pas oublié la seconde corde de rappel au moins. Parce que pour descendre, le plus sympa, c'est trois rappels. 1,55, 1,60 et pour terminer, 1,75 mètres qui vous amène au sol. Deux minutes du pour, Dominique et Buny se retrouvent au pied de la Vicera.